également le fait que nous fêtons cette année le centenaire de Citroën. Citroën 11B, 1953. C'est une somptueuse Citroën DS21 qui est de 1963 et qui est la dernière œuvre d'un grand carrossier français, un maître carrossier qui s'appelait Henri Chapeau. Continental, admirez le fastback, cette ligne arrière profilée, la coupe des Alpes. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom Alpine qu'on retrouve ici. C'est un très joli dessin, très fluide, typique du début des années 50, rarissime, et je vous dis, princière. Alors on retrouve ici une très très belle, particulièrement belle au style inné, dont l'historique d'ailleurs a été retrouvé puisque je vois qu'elle a une petite carte d'identité vivante, ce qui fait très plaisir. Et sa copine, alors, un des moyens de reconnaître les Austin Healey, c'est le pare-brise plat appartient aux premières générations, alors que le pare-brise bombé aux dernières générations. Bravo, attention aux yeux. Vous avez vu Henri Chapeau tout à l'heure en 1967, le voici. En 1937, c'est une des plus belles voitures que j'ai jamais vues. C'est le summum de chez Delage, grande marque française. C'est la D820. Et nous allons accueillir les premières Aston Martin de la journée, puisque c'est la marque invitée d'honneur. Le fondateur s'appelle Lionel Martin, quelqu'un d'ailleurs de très bonne famille, éduqué à Hilton, s'il vous plaît. Il a fait le désespoir de ses parents parce que ce qui le fascinait, c'était la mécanique. Et juste après-guerre, la Première Guerre mondiale, en 19, il prend participation avec une voiture un peu bidouillée de sa fabrication à la course de côte d'Aston Clinton. Et après la victoire dans cette course de côte, le nom Aston Martin est venu et est resté jusqu'à aujourd'hui.